Je te respecte beaucoup, mais je voulais te parler à propos de ton fils là, Yoro. Yoro. Lui, il a voulu changer ma garde-robe. Il a voulu changer garde-robe là pour que je porte les tenues sénégalais. Il a acheté tissu, beaucoup de tissu. On est parti chez tailleur là. C'est moi-même, j'ai pris mesure. J'ai dit mon tailleur, fais-moi robe avec mes comme ça, gros rondelle comme ça, avec des poches ici là, courtes comme ça là. Lui, il est parti faire les gros sacs comme ça. Je ne porte pas, oh. Chez nous, on ne connaît pas ça. Tu ne portes pas les habits de Sénégal? Ah, ça, c'est gros, ça. Toi, là. Yaro. Où est Yaro, d'abord? Ah, je te demande, toi, tu étais là, non? Moi, j'étais sorti un peu comme ça. Donc, les habits de Côte d'Ivoire, là. Toi, pour les habits de Côte d'Ivoire, tu as amené ici. Oui. Prends tout, mets ça dans le poubelle. Tu portes les habits du Sénégal. Et puis, au Sénégal, il y a beaucoup de habits. Tu portes les habits de Fouta. Moi aussi, je comprends là. C'est toi qui l'as dit ça. Oui. Tu ne portes. Regarde. Moi, j'ai acheté ça, tout ça. Ça coûte cher. Oh. Ça, c'est bon. Ça. Chez nous, là, ça, c'est coûte cher. Ça, c'est des bons regarde habits comme ça. Ça. Ça, même, c'est long. Ça, même, c'est long parce qu'il fait chaud ici. Vous ne connaissez pas les habits. Oh. Vous connaissez le gros sac comme ça. Toi, tu es une personne ou tu es animaux? Eh, papa, je te respecte, je ne veux pas que tu me dis animaux. Faut pas me dire ça, oh. Va m'appeler, Yaro. Va m'appeler. Je vais appeler. Okay. Je vais appeler ton fils. Toi, parce que... Je sais, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour toi dans la maison. Aujourd'hui. Eh? Tu vas porter les habits foutants. Tu as dit, Yaro, qu'est-ce qu'il a dit? Minimum caldo. J'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Ici, si tu es ici, ici, c'est foutant. Oui, je connais. Il y a beaucoup de dîners. De Bruce, c'est pas Bruce. Ici, c'est Fouta, c'est pays dîners. Tu as vu? Donc, ici, tu vas porter les grands boubous comme le Wurongo, le Baini, le Bayano. Non, pas d'avant. Aïe, le Wurongo, ici, les femmes. Tu as vu? Les habits des femmes, ici. Les femmes qui portent des robes comme le Kouloun, là. Ouais. Moi, je ne porte pas ça. Ah! Les grosses comme ça là, hein? Je porte pas ça. Quand tu vas rentrer,
Tu vas rentrer. Avec cette chaleur-là. Tu vas rentrer à Côte d'Ivoire. Toi, tu veux m'introduire des choses que je ne veux pas, je ne fais même pas. Parce que Côte d'Ivoire, là-bas, là, on porte des habits comme on veut. On porte ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Parce que là, okay. Ça, là, comme on veut, regarde là. Ah, quand je sors là, tout ça, le monde me regarde. Ça, parce que je porte des bons habits. Ici, là, les femmes ne connaissent pas ça. Change. Mata julde kutira o njula anani d'abord tu portes les habits normal maintenant là c'est la fin oh okay, je connais maintenant c'est toi qui l'as dit maintenant aujourd'hui si je le trouve là, si je le trouve avant de venir ici c'est ça va chauffer ça va brûler entre nous même ok ça va brûler. Pourquoi tu es parti dire le tailleur là de changer tous les modèles que j'ai choisi là? Quoi? Les modèles que j'ai choisi là, les robes là, avec rondelles, les poches comme ça là, les robes courtes comme ça là. Tu as dit à ton tailleur là de me coudre les gros sacs comme ça. Moi je porte pas ça. Qui a dit ça? C'est toi-même qui l'a dit parce que lui-même il m'a dit ça. J'ai failli lui écraser la tête. Il est plus fort que toi ici, les femmes ne frappent pas les hommes. Il n'y a pas de plus fort. Pourquoi j'ai choisi quelque chose de charge? Fante, ici les femmes ne frappent pas les hommes. Les hommes aussi ne frappent pas les femmes. On se discute, on se famundirde et le reste, on se continue. J'étais chassé partout. J'étais dans la cérémonie, dans les enfants. Et, écoute, ici, c'est pas les Côte d'Ivoire, les hommes, les femmes se bagarrent avec les hommes. Si tu le fais ici, hein, toi, tu connais pas. Moi, j'ai... Toi, tu fais quoi dans les cérémonies? Qu'est-ce que moi, j'ai le temps d'aller dans les cérémonies là? C'est les cérémonies de la village? C'est même... les cérémonies de la village? Qu'est-ce que tu vois? Même si c'est pour le village là, moi, j'étais cherché partout. Tu sais ce que tu as fait. Pour cela, tu es caché là-bas. Tu es parti dire à ton tailleur là de changer tout. Mais c'est normal. C'est normal, là, néné. C'est normal. Regarde les pantalons que tu portes, les habits que tu portes là. Tu penses que si tu le portes, tu penses que tu es bien sapé. Or, si tu sors dans la rue, les gens, tout le temps, ils me disent que ta femme, est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle a tout sa tête? Ce qu'elle porte là, ce n'est pas les habits normaux. Il faut des sourds, des horreurs, néné. Les gens qui parlent derrière moi, ils n'ont qu'à venir devant moi et dire ça. Pourquoi ils te disent toi-même? Si c'est comme ça, là, ils viennent pas devant quand toi. Quand je sors là, même les vieux là, ils arrêtent de faire comme ça, le chapelet, ils me regardent comme. Mais parce qu'ils sont étonnés. Tu penses qu'ils ont fait les bardations? Tu penses qu'ils ont apprécié? Ils ne sont pas agréés ici, ils sont étonnés. Pas apprécié. Je vais porter deux pièces sorties ici jusqu'au marché. Je vais revenir ici. Je vais voir quelqu'un qui va parler. Si lui qui a osé de parler là, il va voir avec moi. Et toi, tu pars dire à ton tailleur de changer mes modèles et tout ça là. Maintenant là, c'est entre toi et moi maintenant. Quoi, t'as dit? Hein? Deux pièces, je dis deux pièces. Je porte deux j'arrive pièces. À te tuer. Tu me dis-moi. Si tu portes les deux pièces, je te dis. Avant de te préparer, préviens-moi. Tu vas voir qui va tuer l'autre. Tu as dit ça, Assini. Tu m'avais dit ça. Je t'ai dit notre culture, dans notre culture, on a notre culture de habits, on a notre culture de comment on vit dans la souture, on vit dans la élégance, mais pas on vit dans la, comment dirais-je, dans la nyaku de kerse. Minen min gourane non. Ici, il n'y a pas de nyaku de kerse. Ici, il y a les ndiam guite. Ned dañe ndiyam guité si compris tout ça. Les l'eau de la oi ici il y a les gens ont l'eau de la oi tu comprends l'eau de la oi il y a les vergognes quoi ici il y a pas les gens qui n'ont pas de vergogne ici quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas normal il est honte quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas normal dans notre coutume il est honte. Raison pour laquelle tout le monde dit ce qu'il doit dire. Tout le monde porte ce qu'il doit porter. Tout le monde fait son rôle et les gens vont travailler pour vivre dans l'harmonisation. Mais non. Tu as bien dit, tout le monde porte ce qu'il doit porter. Donc moi, ce que je porte là, c'est ce que je dois porter. Parce que chez moi, là, c'est ça qu'on connaît. Regarde comme je transpire. Il fait chaud. N'est-ce pas tu portes ça pour la chaleur? Il fait chaud, non? N'est-ce pas il fait chaud? Mais c'est normal qu'on ne porte pas ça. Pourquoi tu ne portes pas comme ton père là? Il porte des gros comme ça là. Ouais, parce que je n'ai pas l'âge de mon père. Quand j'ai l'âge de mon père, moi j'ai porté aussi, les j'ai gros. Moi aussi, j'ai pas l'âge de ces vieilles dames là qui portent des gros sacs là. George. Je vais porter deux pièces, je sors, je dis.
Je vais commencer à partir de demain même. Fais ce que tu veux. Mm-hmm. Fais ce que tu veux. On va voir les retombées. Moi, je t'ai amené ici pour que tu adoptes à notre culture. Je t'ai amené ici pour que tu adoptes dans notre environnement. Je t'ai amené ici parce que je t'aime. S'il n'y avait pas l'amour, je ne vais pas forcer de venir avec toi. Je vais rester là-bas et faire ce que je vais faire et après retourner épouser ici. Il y a beaucoup de femmes qui m'aiment ici, mais je les refusais à cause de toi. Et toi, tu refuses de m'adopter. Tu crois que je suis venue au hasard ici? Tu crois que je suis venue au hasard ici? Si je ne t'aimais pas, je n'allais même pas te suivre. Tu me connais très bien oh, en Côte d'Ivoire. Là. Combien d'hommes me suivaient là-bas? Avec leurs voitures, avec les belles voitures, des belles maisons, avec beaucoup d'argent. Ils voulaient tous juste jouer avec toi. Jouer avec moi. Toi, tu m'as mis dans la brousse là. Tu n'as même pas de brouette. Arrête de dire mon village. Je n'ai même pas vu Charit ici. Arrête de dire ça. Maintenant, je vais te montrer mon vrai visage. Hein. Arrête de dire ce brousse. Si tu continues à dire c'est mon brousse, village, c'est brousse, brousse, je vais casser ta gueule. Écoute. Je ne peux pas battre avec les gens et retourner se battre avec toi. Maintenant, c'est bon. Vas-y. Tout ça, c'est toi qui as amené ça. Oui, ici. Oui, vas-y. Je voulais remonter et. Maintenant, j'ai plus envie de prendre le thé. Hmm. Voilà. Le thé. Peut-être que tu attendais quelqu'un. Tu croyais que moi, je suis parti loin. Je ne suis pas parti loin. Je te cherchais. Ce que tu as fait là. Là, là, tu vas rectifier tout. Le gros truc là que tu as manigassé là-bas. Là. Moi, je ne porte pas haut. Je t'ai bien dit. Ma garde-robe là, tu la laisses comme ça. Moi, je vais partir prendre un pot d'eau là. Mais c'est un pot d'eau là. Je vais me prendre ça. Reste ici là, à penser à l'info de toi. Voilà. Kono mi wawa tan min mo andi o mo yidi mi tade o mo yidi mi so mi wadde yidde de poti a poti so boyi sedo wontal ko furtanke kono a wawa tan neddo o moto tan biya dum nyalawma kendaw he a wontal furtanke itudum do so min porsi muni o watta dum o so forsa ko wada ha dum o no mi andin ma ko ma forse o ko ma habe no moddi de o sansa bornugal o wasta saligina do wartu juldo wartu ligina di tam buri labde o kay mi habar makko ran ha mos o sansa bornugal so mo yidi wonde do kay ona mbi do mo yil mo yil wonde do o sansa bornugal wala njidda ko mi wopamo hurto horde probleme o kay mbaa sa addano ni burna
saadano burno dum non woni ko mi warata ham maye parce min no bardu me yam e to gillem tolne mako ana anda dum e joni wadda gillem holto tonne mako waddo waylo so min nati der sud wallahi baba o nyirret kam hami welto